nous vous proposons un débat dans le cadre prestigieux de la Grand Place, plus précisément chez KBC. Nous avons consacré des moyens à Beaux-Arts, à la Monnaie. 20 millions sont prévus pour le conservatoire, qui va être entièrement rénové. C'est une bonne nouvelle, ça. On redémarre, voilà. Et 30 millions pour les musées royaux. Belga Film, comme son nom l'indique, et comme vous connaissez cette société depuis 80 ans, a dans son ADN le cinéma. Mais bien évidemment, on est à l'écoute de nos investisseurs. Et en l'occurrence, on les a interrogés il y a un an et demi, au moment où les choses étaient sur le point de se concrétiser sur les arts de la scène. Et en leur demandant s'ils étaient intéressés à soutenir aussi des projets arts de la scène, et plus de 50% ont répondu oui. Alors je crois que l'élément en fait essentiel du succès, que maintenant beaucoup d'entre vous vont probablement mieux comprendre, c'est notre caractère purement surréaliste et assez belge. Je crois que l'art peut être considéré comme un placement, certainement. C'est d'ailleurs aussi un placement qui est décorrélé des marchés. Avant même de songer protection assurance, il faut songer protection tout court, prévention, pour protéger le bien et le transmettre. Et là, on est parfois surpris, je dirais, des lacunes qui peuvent exister, que ce soit dans l'institutionnel ou même chez des collectionneurs privés. Mais le nombre d'auteurs qui sont morts avec des difficultés financières considérables, je parle de JDM, je parle de René Marchereau, etc., c'est pas normal qu'il n'y ait pas des solutions pour envisager, pour aider ces auteurs, pour trouver un espace qui enrichisse la Belgique et qu'on pense un peu au bien commun, plutôt qu'à une rentabilité immédiate. Donc c'est vrai que je trouve que tout ça montre un peu du mépris pour la bande dessinée, et ça m'agace d'entendre qu'on se prévaut d'être le pays de la bande dessinée. Alors comment je les ai convaincus? Parce qu'ils sont venus et ils ont vu que c'était un ensemble tout à fait exceptionnel. Donc ils m'ont acheté la discothèque jazz 78 tours pour 50 000 euros, et tout le reste j'ai donné. Voilà, parce que je préférerais donner que ce soit dispersé.